Bah alors, on check pas les smokes. In the smoke. C'est pas ça. Ah ouais, la flash c'est quelque chose, hein. Et les flashs ça blague zéro les gars. One cross. Ma petite grenade. Ah dommage. On est trop loin. On a une visu. Ah ils ont changé la visu là en haut là. Regardez, on voit le spawn CT maintenant. Du spawn CT on voit la hauteur là. Vu que je suis une merde. Need. Oh d'accord. Hello guys, do you hear me? Yeah. Welcome, welcome. Do you like this game? Fucking shit, fucking shit. J'ai entendu un bruit à côté de moi, non? Oh la Molotov, c'est Bagdad. Ouais non, les grenades et tout là c'est quelque chose, hein. Ça touche, hein. Vous voyez là par exemple, je pense que sur CSGO je l'aurais pas tué le mec double porte dans le B là. Il va toujours la flash. Au revoir. C'est Valorant frère, il a tiré à travers là. Long out guys. Oh je le tue pas. Oh j'ai la checké. Out mid, splitting B. Ils s'en battent les couilles les potos. Oh le radar est incroyable. Regardez le mouvement des radars, comment il est stylé. Il me stresse le bruit du scope. J'avoue, le bruit, j'ai pas l'habitude. La smoke, frère. Et les fumigènes de CS, là, c'est quelque chose, maintenant. Oh là là, mais oh là là, mais avec qui je suis tombé? Combien j'ai d'argent? Vous voyez, même l'argent, il est en bas, là, ici, là, tout en bas à gauche. C'est très bizarre, la disposition. J'ai pas l'habitude. D'habitude, je regarde en haut et je vois combien j'ai. Et là, je sais pas combien j'ai. CSGO avec des shaders. Non, parce que je trouve que la hitbox a changé. Je trouve que le tick rate a changé. Je trouve que les mouvements ont un peu changé. Je trouve que les équipements ont un peu changé. Enfin, déjà, smoke flash, c'est pas pareil. Grenade non plus. Ils ont ouvert les skybox. Je sais pas, le sound design a changé. Les effets visuels ont changé. Les mouvements ont changé. Les sprays on peut changer, je trouve. Je trouve on peut moins spray que sur CSGO. Pour moi il y a une vraie petite modif. Il y a des petits trucs subtils qui ont été modifiés. Out B one. With bomb. Planting. Les molos de Bagdad là, c'est quelque chose. Vous voyez le son là? Je comprends rien. Là, il y a une flash. Vous voyez la flash? Allez, c'est parti. Là, on se repère sur le radar. Là, on voit à travers la smoke quand on tire. Et il est là, ce bâtard. Diffuse. Can you let me diffuse? Oh putain, j'ai pas le temps. Oh le con. Блять, ну дал дефьюз, блять.
Et bien évidemment, vous les avez entendus, les Russes, ils sont toujours là. Même sur CS2, ils sont toujours là. Oh putain de merde. Ah, les flashs, frère, la vie de ma mère, que c'est quelque chose. Boost me side, boost me. Voilà, je gagne le prochain round, les gars, tranquille. Quand tu fais ça, en fait, tu vois dedans. M4S est fort, ouais. Après, j'ai vraiment l'impression que le spray est pas pareil. Genre là, tu vois le duel que j'ai fait sur le plateau, j'ai un peu galéré. Regardez les skins, frère, je vous jure, regardez les skins. Même des skins nuls comme ça, ils sont jolis. Regardez le skin. Même comme ça, le skin, je crois, il vaut quelques euros. Bah maintenant, il est stylé, genre. La flash. Ils ont changé un peu la mecha. Le sound design a totalement changé. Il y a un vrai effet 3D de ouf. Là, si je flash comme ça. Wow, non. Out short, guys. One short. Oh putain, je suis en train de faire un move de débile. Bah alors, on check pas les smokes. On check pas les smokes, les frères. Par contre, quand on est dedans, ouais, il se passe rien. Regardez, même une AK ardoise. Ça, une AK ardoise, les gars, ça vaut combien? 3, 4 euros, non? Regardez comment elle est stylée. 5 euros, frère. Tous les skins vont augmenter, je vous le dis. Le tick rate est incroyable, ouais, Axel. Le tick rate, il touche. C'est une dinguerie, genre. Regarde les molos, frérot. Oh là là. Eh, les molos, frère, elles ont une portée de ouf. Top mid. Voilà le spray là. Vous voyez le spray là, j'ai galéré. Ouais, la taille de la molo, regardez la taille de la molo. A-site, I need you, Blue. Take short with up. Take can cross. Oh là là, c'est la galère. Short planting. In the smoke. Bomb. La brochette. Oh, son AK est incroyable. Vous voyez même une AK bleue laminate. Regardez l'AK bleue laminate. On voit, regardez sur le sol. La bombe, elle clignote. Regardez. Franchement, c'est stylé, hein. Ouais, ils ont un peu casualisé aussi le jeu. Je pense que c'est bien pour le grand public. Ça fait un peu trop dead pour les noobars quand même. Ouais, mais il faut penser à monsieur tout le monde, tu vois, qui a joué à l'ancienne, à Counter-Strike, qui là va être un peu hypé, qui a envie de jouer, qui veut un menu, facile, tu vois, genre là tu vas dans vidéo, boum, vous voyez, j'ai tout en élevé, tout machin et tout. T'as une preview des réglages, à quoi ils ressembleront. Pour moi, le tick rate, la hitbox, le spray, il y a un peu pas mal de trucs. Là, les mechas sont vraiment bonnes. Le jeu, par contre, je vous le dis. Oh là là là. Lolololol. They cross A site. Flash me. J'appuie au sol.
moi je vous le dis, au niveau des sensations du shoot, de l'aim, des comportements des armes, de feeling, des impacts de balles, de tout ça, franchement c'est pas mal. Franchement c'est vraiment 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 pas mal. La mollo là. Oh là là, le spread par contre est incroyable. Mid to be. T'en penses quoi? Pour moi c'est un excellent jeu. Je pense que tous les mecs qui aiment CS vont kiffer. Par contre je pense pas que ça va ramener les mecs qui aiment pas CS quoi. Comment vous expliquer? Je pense que les gens qui kiffent CS, eux ils vont adorer de ouf. Mais tous les mecs de Valorant, de Rainbow Six, des mecs qui ont lâché CS, pour eux, le jeu sera toujours le même en fait. Ça va pas trop changer pour eux. Par contre, la flash, elle casse les couilles, hein, je vous le dis. Elle assourdit de ouf. Hey, short pushing. Can I have the information, guys? Can you tell the info? The A-side, brother. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? En gros, n'importe qui qui a CSGO, qui aime bien CSGO, il va kiffer de ouf. Je pense que les mecs qui se sont barrés de CS pour certaines raisons, ils vont pas revenir en mode « Waouh, Counter-Strike 2, c'est incroyable !» Il va y avoir ce truc-là de « On rejoue au jeu, on veut tester les sensations et ce genre de trucs. » Mais le jeu reste dur, l'IM reste le même, très compliqué. Faut connaître les repères de smoke, de flash, de mollo, les call-out, les sprays, patterns, les mécaniques. C'est dur, le jeu est dur. Donc voilà. Par contre, ceux qui se sont barrés pour la hitbox, le tick rate, les menus, le rafraîchissement, peut-être qu'il va y avoir un nouveau matchmaking, un meilleur équilibrage des ranks, ce genre de truc, l'anti-cheat, ça va être amélioré, donc eux peut-être ils vont revenir, tu vois. Mais je pense que c'est des mecs qui jouent occasionnellement à CS. Mais les mecs qui se sont barrés vraiment de CS parce qu'ils ont trouvé leur bonheur ailleurs, ils vont pas revenir pour CS2, hein, je vous le dis. Wow, oh là là, j'ai vu ma vie défiler, frère. J'ai vu... Ouais, c'est un piège là qui m'ont tendu les frérots là. Pas mal. Par contre, expérience. Bah, là, regardez. Voilà, là, regardez. Là, on est clairement dans l'expérience. Premier side de Counter-Strike 2. On joue avec 4 Russes. Pas un mot de lâché. Pas une info. Même les mecs qui sont dans la hype, ils arrivent même pas à dire hello guys, you want the flash, you want the smoke, you want the molly. Même ça, frère, ils sont pas fun, ils ont aucune envie, ils ont rien, frère. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est dans CS2, dans la hype la plus totale. Sur 8 milliards d'êtres humains sur Terre, il y en a une poignée qui ont accès à la bêta. Là, ils sont en MM, même là, ils ont pas de fun. Même là, les Russes, ils ont pas de fun. Même là, on joue, il y a pas de fun, frère. Donc n'imaginez pas que CS2, ça va être la révolution. Ah, je vous le dis. Un mec qui parle. Franchement, l'effet des smokes est incroyable. Moi, j'adore. Je vous le dis. Ouais, cet effet-là. Là. J'adore l'effet. Oh, encore niche. Il fait de balles. Long and short. Le bail. Putain de... J'ai cru qu'il allait me voler ça, lui. Alors attends, si on fait ça... Backside. One tunnel. Can you smoke tunnel? They're pushing it. Don't die. Just nade him. Nade him, is it tunnel. Last tunnel. It's at the last. Oh frérot, arrêtez la drogue! Pitié! En tout cas, je vous le dis, le tic. Là, je suis en MM, les gars. Le jeu, il touche de ouf. Le sound design est très bon. Le spray, c'est pas mal. Les mechas des greux. Regardez le son aussi. Je vais juste faire exprès, ok? Elle est dans mon dos. Vous voyez, je suis vraiment assourdi.
l'effet des flashs, on peut vraiment le dodger au niveau du visuel. On sera pas blanc, vraiment. On prend beaucoup moins de voile qu'avant. Par contre, quand on prend la flash, j'ai l'impression d'être aveuglé de zinzin. Par contre, même si on dodge la flash, l'audio là, c'est une dinguerie, comment ça casse les couilles. La précision de l'audio aussi. Là, vous voyez, je jette mon arme à gauche. Je l'entends vraiment clairement sur ma gauche et pas sur ma droite. Le sound design est vraiment, mais alors vraiment très très propre. Vraiment. Et ça, je l'ai dit, je l'envie sur Valorant par exemple. L'audio de Valorant était très précis et tout. Là, c'est vraiment un peu similaire. Montre-nous une flash en pleine poire, s'il te plaît. Franchement, elle fait mal, hein. Ouais, ça c'est très bizarre ça. Ça par contre c'est très bizarre. Vous voyez quand on regarde dans le sol, qu'on bunny, qu'on fait des trucs comme ça. Ça c'est très 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 bizarre. On voit son ombre. Ouais, je vois mon ombre à gauche ici, plus mes yep, la vie de ma mère que je sais pas, mes yeux sont pas habitués. Avec 15 ans de CS dans les apps, dans les pattes, je vous jure que je sais pas, ça c'est trop bizarre là. Ça là, je vous le dis, c'est waouh, je comprends pas. Surtout que moi je bunny de dos en faisant ça en plus. Vous voyez ? Là, hop, je sors de la porte, vous voyez. Là, j'essaie de bunny de dos. C'est très bizarre. Kana, merci pour le sub. One more mid, one more mid. Putain, je croyais que c'était derrière moi. Putain de merde. Vous voyez là, j'ai vu mes yep. Vous voyez là, je check comme ça, je vois mes pieds. C'est trop bizarre ça, par contre. Hein. Et ça. Ouais, j'ai vu la range du bruit de la minimap. Ça, ils l'ont pris sur Valorant. C'est vraiment intéressant. Là, on va regarder là. Bon, les yep là, c'est bien. Non, tu peux pas te faire rembourser. Ça serait bien qu'ils mettent une cancel. Ouais. Que t'achètes, si tu mises buy et tout, que tu puisses cancel ton achat. Ça serait vraiment cool. J'aimerais bien voir la casse aimantée, le rendu sur le jeu. Ah ouais, franchement, les skins, c'est tous les skins comme ça là, un peu brillant et tout, ça va être une dinguerie. Ouais. Oh le con, frère. Faut y aller par contre, t'es là. Didjou, merci beaucoup. Il y a un petit délai avant de planter la bombe aussi. Je viens de voir ça. Ah, ma vie. Oh, yo, yo, il joue. Hein. Ah le mec se dit pas, je vais aller dans le trou, jouer la bombe. Long, 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 long. Ouais. C'est ça. Good job. HUD, là, je mange. Ah, 71 en 4, 29 en 3, c'est ça? C'est les dégâts que j'ai mis là, 71 en 4, c'est le mec que j'ai tué. Et 29 en 3, c'est sur le deuxième, c'est ça ou pas? Et lui, il m'a mis 100 en 4 hits. Ouais, ça va, il y a un petit récap en haut, les gars, regardez. On voit l'équipement de nos potes aussi, ce qu'ils ont acheté, en haut à droite. Ah, c'est pas mal, hein. Voilà, les TK, les Russes. Ah, c'est ça le MF. On est à la maison. Pour ceux qui s'imaginent que Counter-Strike 2, ça va être les Teletubbies, la fête à la saucisse, la bonne humeur, l'échange cordial entre des gens de nationalités différentes et tout. On est en Russie, hein. ça change pas. Hein. Vous voyez bien que ça fait 26 rounds qu'on joue. Pas une fois il y a eu de l'info, pas une fois il y a eu un GG, pas une fois il y a de la com. Là on a entendu un mec, il a dit « Ah, on est drop, on est drop ». C'est tout, on est en Russie frère, mettez-vous bien ça dans la tête. Ma wishlist, tu vois ma wishlist elle était pas mal. Hein. Ma wishlist, ma vidéo wishlist de CSGO, parce que j'en ai fait une vraiment genre plausible. C'est pas mal, hein. on est assez proche de ce qui est sorti. Hein. Les mecs ils envoient des TK, des petits coups de couteau comme ça, ça changera pas les gars.
Le jeu change, la communauté change pas. C'est la commu qui fait le jeu, c'est pas... Calme, Blue. Allez mon pote, allez mon pote. Merci frérot. Ah. Oh, je suis T-spawn, 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 Blue. Vos mères les grandes putes, j'ai pas d'équipe. I'm low, don't die please. Il fait quoi, il fait quoi, il fait quoi, il fait quoi? Il veut me tuer l'enfoiré, il veut me tuer. Putain, je vois mes yep. Ah, je vous ai dit, c'est trop bizarre. Regardez là, je vois mes yeux coups. Un HP 1v2. Un HP 1v2. Un HP 1v2 pour le match point. Ouais, 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 le bop est bizarre. On peut, je trouve qu'on peut moins bop. Alors autant le tick rate est mieux, tu touches bien, le netcode est vraiment bien. Par contre, tu vois le netcode, regarde. Là j'essaie de bop, voilà, 1, 2, 1, j'y arrive pas. La bombe, vous voyez la bombe, on la voit bien, elle clignote et tout, c'est pas mal. Mais ne vous dites pas, c'est le même jeu, je vous jure que les mécaniques sont pas les mêmes. Sachez que les mécaniques ne sont pas les mêmes les gars. Le shoot est un peu différent, la hitbox est différente, les animations sont différentes, les effets, le visuel aussi donc. Le smoke, merci à mon pote qui m'a mis une smoke dans les yep qui m'a bloqué. Non, c'est toi qui vas mettre le 1v2 beau gosse. Allez, fais mon plaisir. Un BP et un spawn, c'est ça? Dommage. 15-15. Voilà. Premier matchmaking, les gars. 15-15. J'ai fait combien de kills? J'ai fait 38 kills. 38 kills. En ayant parlé l'intégralité du MM avec mon chat. Parce que mes coéquipiers ne souhaitaient pas parler avec moi. L'interaction sociale en Russie, c'est un peu compliqué. Moi, le jeu, je le trouve bien. Je vous jure que les sensations du jeu sont vraiment différentes de CSGO. Très, 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 très proches de CSGO. J'ai l'impression comme s'ils avaient changé un petit curseur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre IM, imaginez qu'il y ait un curseur, ben, ce soit aussi facile de dev. Imaginez ça comme ça dans mon esprit de débile. Il y a 80%. Ben là, ils aient mis 82%. Vous voyez, ils ont juste modifié de 1%, de 2%. Je sais pas, les mouvements, la vélocité, le netcode, le shoot, le ressenti quand tu sprays, le ressenti quand tu fais du balle par balle, quand tu jettes un petit peu des grenades également. Pas forcément la gravité, pas forcément la gravité, la distance que parcourt une smoke, une flash et ce genre de choses, les rebonds et tout ça c'est vraiment comme CSGO. Mais j'ai l'impression que les animations et tout sont un poil... Il y a un truc qui a changé. Au niveau du feeling du jeu, il y a un truc qui a changé. Moi, je suis extrêmement content de Counter-Strike 2 sur ma première impression.